questions. Et maintenant, je passe la parole à Tidiane Gadio, qui a une riche expérience africaine. Chère Tidiane. Merci, merci beaucoup Thierry. Moi, je voulais parler de la place et du rôle de l'Afrique dans la géopolitique mondiale. Je trouve qu'on a fait beaucoup d'efforts à la World Policy Conference. Cette année, on a eu et une plénière et un atelier, c'est très bien. Mais comme disait l'autre, on peut encore mieux faire pour plusieurs raisons. Parlant des illusions, par exemple, je pense que l'Afrique a besoin encore de rêver. Et quand on a besoin de rêver, on a besoin de garder certaines de nos aspirations que d'autres vont présenter comme des illusions. Au début des années 2000, avec l'avènement de l'Union africaine, beaucoup pensaient que l'Afrique allait rejoindre le peloton des puissances émergentes comme l'Inde, la Chine, le Brésil, et que donc l'Afrique aurait une chance de faire partie de ce qu'on appelait les World Global Players, les acteurs mondiaux importants. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. On est allé de crise en crise et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, par exemple, à l'époque, j'avais critiqué mes amis de l'administration Obama. Quand Obama avait décidé de déplacer ses grands navires de guerre et tout en dehors de l'Atlantique, parce que pour lui, l'Atlantique n'était plus vraiment l'enjeu, il voulait se déplacer vers le Pacifique. Et j'ai fait passer des messages à son National Security Council qu'ils étaient en train de commettre une grosse erreur parce que l'Afrique va garder son poids dans ce monde, même si elle n'aura pas son rôle immédiatement. Et je leur ai dit que là-bas, vous allez vous occuper des Chinois et vous allez rencontrer en chemin les Chinois qui, eux, vont vers l'Afrique. Et donc, ça va être une contradiction pour vous. Vous avez besoin d'améliorer votre coopération avec l'Afrique, votre respect pour la Méditerranée, pour l'Atlantique et pour le continent africain. Le deuxième point qui me semble absolument important, je pense qu'il faut se défaire des leurres plutôt que des illusions. Les leurs, c'est on a fait croire aux Africains qu'ils étaient indépendants et souverains. Et ils ont joué cette carte. L'Union africaine est une union de pays indépendants et souverains. Moi, je suis pour des pays souverains, mais interdépendants et qui acceptent l'interdépendance. La conséquence, c'est que nous n'avons pas fait avancer l'unité africaine. Nous nous sommes retrouvés dans énormément de problèmes. Et une bataille qui me semble tellement simple, qui fait que les jeunesses africaines sont révoltées un peu partout, contre ce qu'on a appelé la souveraineté, l'indépendance. Ils nient tout, ils dénoncent tout aujourd'hui. Parce que comment 1,3 milliard d'habitants dans 54 États membres des Nations Unies, avec en plus l'aveu ou la reconnaissance que 70% de l'agenda du Conseil de sécurité porte sur l'Afrique et les crises africaines, les questions africaines. Comment peut-on encore concevoir que l'Afrique n'ait pas un siège de membre permanent au Conseil de sécurité, là où on discute de l'Afrique et de son destin, et l'Afrique n'a aucun pouvoir sinon d'être un membre, d'avoir quelques membres non permanents. Je pense qu'il faut le changer rapidement au risque de perdre le système des Nations Unies que nous avons aujourd'hui. Il y a une lame de fond qui se dessine dans le continent pour dire que si on ne nous accorde pas notre siège de membre permanent, il faudrait ou se retirer, ou réorganiser, demander qu'on réorganise un nouveau système mondial parce que celui-là ne fera pas notre affaire. Et c'est une demande qui me semble assez légitime. Donc, de ce point de vue, je salue le fait que notre conférence, qui est une des conférences les plus importantes, je pense, dans le monde sur les questions de politique étrangère et de géopolitique, ait donné cette place à l'Afrique cette fois-ci. Mais ajoutons encore un peu plus, je pense que les femmes, et les femmes africaines en particulier, devraient être présentes. Il y a une grande intellectuelle tanzanienne qui a dit quelque chose de magnifique. Je vous mettrai en contact avec elle parce qu'on l'invite un peu partout dans le monde pour s'expliquer. Elle dit que si vous voulez que le travail soit fait, il faut le confier aux femmes. Si vous voulez qu'on en parle, il faut le confier aux hommes. Et je pense que cette problématique est extrêmement importante, ce qui fait que si on avait beaucoup plus de femmes, je ne dis pas une majorité, mais en tout cas un grand nombre de femmes qui contribue à nos débats. Tout le monde va descendre, on amène 5 femmes. Tout de suite, et je descendrai le premier. Alors, l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est que véritablement, tous ceux qui sont ici, les experts et tout le monde, doivent soutenir cette bataille de l'Afrique pour avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Alors, Joe Biden est allé plus vite que la musique, parce que lui propose carrément qu'on donne ce siège à l'Union africaine. Je trouve que ça pose un sérieux problème. L'Union africaine ne va pas représenter
un pays ou deux pays ou trois va représenter tous les Africains. Imaginez toujours qu'il faille bâtir un consensus entre 54 pays pour aller donner notre point de vue aux Nations Unies. Deuxièmement, ça veut dire que l'Union européenne, on commence à faire entrer des entités comme l'Union africaine, l'ASEAN, l'Union européenne, on ne s'en sort plus. Les raisons qui ont fait que la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine et les États-Unis peuvent s'asseoir comme 5 membres permanents dans une organisation qui a besoin d'être réformée, ces mêmes raisons font que l'Afrique doit pouvoir désigner un pays, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, quel que soit le pays, pour représenter la bannière de l'Afrique et travailler sous un mandat de l'Union africaine. Mais on n'a pas besoin d'amener toute une organisation pour changer la donne, ou on réforme ou on ne réforme pas. Dernier point qui me semble extrêmement important, qu'on doit discuter davantage, le monde entier semble sous-estimer la gravité de la crise sécuritaire en Afrique. 2200 attaques terroristes en 2021, près de 10 000 morts. Et on nous révèle récemment qu'au Nigeria, de 2009 à aujourd'hui, on a 40 000 victimes du terrorisme, 40 000. Alors, comme disaient les autres, Black Lives Matter, est-ce que Black African Lives Matter aussi? Parce que 40 000 morts, c'est une hécatombe. Le Burkina Faso, le président a informé le monde et informé ses compatriotes qu'ils ont presque perdu leur territoire. Il dit, est-ce que vous savez que nous avons perdu notre territoire? Donc, quand les djihadistes du sud de l'Algérie descendent jusqu'à Cabo Delgado, font ce qu'ils sont en train de faire à l'Afrique, est-ce que le monde a pris suffisamment conscience? Et des djihadistes qui maintenant nous combattent avec des drones, où est-ce qu'ils trouvent leur financement? Qui leur donne ces moyens d'aller acheter des drones et sans aucune traçabilité leur permettre de venir commettre un début de génocide contre les Africains? En dehors du génocide culturel, il y a trop de victimes, il y a trop de morts. Donc le monde, et en commençant d'ailleurs par l'Afrique, tout le monde sait que ma critique porte d'abord sur l'Afrique et les dirigeants africains. Parce que quand vous avez un problème, n'attendez pas que le reste du monde se mobilise pour vous aider. Allez vous-même vous organiser, vous mutualisez vos forces et allez au combat et les autres seront plus heureux de venir voir. Dernier point, on a une donnée nouvelle, c'est la présence de la Russie en Afrique et qui est en train, avec son système des influenceurs et tout ça, de battre le pion, de damer le pion à tout le monde, à la France, à l'Occident et aux États africains. Nous, on se réveille, on réalise que nos jeunes sont maintenant sous l'emprise d'influenceurs russes qui leur font dire n'importe quoi, qui leur font faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas aller négocier une nouvelle tutelle pour venir se débarrasser de l'ancienne tutelle. Le panafricanisme, c'est que les Africains soient au cœur des politiques africaines et puissent défendre leur continent. Merci. 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 Merci, Tadio, et félicitations. 7 minutes et 25 secondes. Bravo. Donc, Marc, et si vous arrivez à 7 minutes, ça donnera de chance que je pense surtout à mon ami Fatallah, hein, que je taquine et que je salue. Bon, alors, sur le fond, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire, Tadio. On te connaît aussi comme un militant du pan-africanisme dans le meilleur sens du terme. Je crois quand même qu'à certains égards, tu es pas mal du côté idéaliste. Et donc, trois brèves remarques. Sur la réforme du Conseil de sécurité, il suffit de discuter avec n'importe quel spécialiste du droit international et de coupler ça avec un certain réalisme politique pour voir que une réforme du Conseil une réforme des Nations Unies de la Charte, dans le sens que tu viens de dire, est à peu près impossible dans l'avenir prévisible. Alors, on peut le déplorer, mais c'est aussi impossible que de voir le fauteuil sur lequel est assis Riyad Tabet au premier rang se soulever tout seul. Alors, je crois qu'il faut quand même être conscient de ça. Et je crois que c'est une question, d'ailleurs, qu'on pourra se poser une autre fois. Peut-être faut-il passer par une grande, grande crise pour arriver à une réforme de la charte. Alors, je crois qu'il faut être conscient de ça. Bon. Deuxièmement, tu as parlé des États qui veulent être souverains, ce qui est totalement légitime, et ce qui est d'ailleurs une caractéristique fondamentale du droit international. Et être souverain, c'est avoir la capacité juridique d'être maître de ses décisions.
ça ne veut pas dire qu'on l'est effectivement, c'est on a la capacité juridique, pas forcément la capacité réelle, et il faut distinguer entre être souverain et le souverainisme, qui est une doctrine, qui est en quelque sorte le refus de l'interdépendance, qui est le refus des conséquences de délégation, on peut dire, de souveraineté. Alors ça, c'est un point, je crois, qui mérite aussi, pour d'autres fois, une réflexion approfondie. Enfin, tu as souligné l'importance de la question sécuritaire, le terrorisme, et je pensais à ce que nous disait hier le Anouar Gargash, n'est-ce pas, dans son principe premier de la politique étrangère des Émirats Arabes Unis, qui est d'ailleurs le principe premier de toute politique étrangère, de tout État, c'est d'assurer la prospérité et la sécurité de l'État, et ceci dans le cadre d'un certain nombre de valeurs et de principes qui caractérisent l'État en question. Voilà. Et de ce point de vue-là, en effet, la question sécuritaire en Afrique est une question absolument majeure qu'il faudra sans doute qu'on traite de façon plus approfondie dans les prochaines éditions de cette WPC. Merci Tadio. Et la parole...